Salut et bienvenue sur Open Versailles 4 saison 5 avec le Bengale qui est devenu l'Hindouistan. Donc l'Hindou, on est une, comment dire, on est une surpuissance. Dans le coin, on est une surpuissance. Enfin, une superpuissance, c'est mieux. On domine totalement le coin. Maintenant, les colonies, il va falloir que je continue et que surtout que je rachète des transporteurs parce que j'ai fait de la merde. Va aussi falloir que je mette un explorateur parce que là je suis un peu bloqué. Et on va régler les révoltes, ça va bientôt être fait. Là on venait de prendre le Shan, autant dire qu'on s'est fait plaisir sur le Shan. La seule chose qu'on évite, qu'on va prier surtout, c'est de ne pas prendre le contre-coup des révoltes, enfin de la coalition, qui doit certainement être prête à intervenir, mais méchamment. Donc ça c'est terminé. Le Shan contre nous. Eux, je vais essayer de me les refaire à pote. Le mariage royal, c'était possible, non. S'ils veulent pas, je leur ferai un cadeau au pire. 1000, mince. Ils sont devenus mécontents. Dommage, hein, parce que si j'avais réussi à signer une alliance avec... J'aurais dû signer une alliance avec eux. J'aurais dû le faire. Je laisse 21 000 hommes ici. Toujours ces hommes-là qui vont aller là. Parce que je vais devoir baisser la maintenance militaire si je veux m'en remettre. Là, on est parfait. Niveau culture, on est parfait, franchement. Les extensions là, l'extension là-bas. Il n'y a que la coalition qui va être redoutable. Mais bientôt, elle tombera aussi. C'est juste que pour l'instant, je ne peux pas m'en prendre à elle. Parce que si je m'en prends à elle maintenant, j'ai des risques de contre-attaque. Trop dangereux. Donc il faut attendre que je devienne encore plus puissant, ça va forcément arriver. Les colonies, ça aide. Donc on a combien maintenant avec eux? Plus 15. Et malgré le plus 15, ça fait 29. On va attendre, faut que je lise tout le texte. Groupe religieux, force de la marine. Ma marine? Bah elle est forte pourtant. Ah non, à mon avis, oui, ils doivent avoir une marine de psychopathe. Ah non, ils sont là, mes transports. Je suis un boulet, mes transporteurs ils vont très bien en fait. Il faut que j'aille me chercher 2000 hommes de plus. Toi tu me sors d'ici 1000 comme ça. Et toi t'as pas de cavalerie. Oh, en plus donc du coup j'ai envoyé une armée qui était super pas équilibrée. Cette armée. Donc tu viens à Dakar. Toi tu vas ici. Et vous allez me dépêcher d'aller les chercher à Dakar. J'ai dit Dakar, c'est la Dakar. Donc eux, monter à fond, ça fait quasiment 100. Et eux, monter quasiment à fond, ça fera environ 80. Ok. Le Shan, il m'aime plus. Le Ming, il m'aime plus. Eux, ils m'aiment pas. Pegu. La vassalisation, c'était pas possible, c'est vrai. Par contre, ils vont se faire absorber les pauvres. C'est dommage pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais... Ah, eux, c'est dans quel groupe religieux? Non, pas de bol, ils sont pas dans le bon truc. Par contre, ils sont dans aucune alliance, il me semble. Est-ce que j'ai le droit à une revendication sur eux? Non. Et une guerre sur eux, je suis en régence, donc c'est pas possible. Non, ils me détestent trop. Mais bon, on va essayer. Il faut absolument qu'on arrive à sortir des gens de la coalition. Allez, je crois au miracle. Je crois, bah, pas je crois en miracle, je crois au miracle. Donc vous, je vous regroupe dans les navires. Et vous partez ici. Allez, foncez. Ici, vous prendrez le chef militaire de là. Et vous irez faire la canal de Mozambique. La quête. Conquérir Bastar. Non. Améliorer les relations avec Delhi. Supérieur ou égal à 100. Est-ce que c'est faisable ça? Avec Delhi, actuellement, on est à 16. Et je peux gagner encore 62. 62 plus 16, ça fonctionnera pas. Par contre, il faut que je surveille mes rivaux. Delhi n'est plus un rival, donc toi.
toi, tu vas revenir en fait. Non. C'est ici. Tu reviens en fait parce qu'il faut que je reprogramme mes rivaux. Voilà, je me disais bien que je fais cette bêtise. Souvent. Alors surtout, mes rivaux, c'est qui? Que je règle ça une bonne fois pour toutes. Donc, Vishnar et le Chan. Est-ce que eux, je leur ai mis leur embargo? Non. Attends, je leur ai mis. Ensuite, on va gagner un en impôts, c'est génial. Eux, c'est plus mes rivaux, donc on va annuler l'embargo. Ils vont être contents en plus. Chan, est-ce que Chan, ils ont leur embargo? Oui, ils l'ont. Donc, il faut que je prépare un nouvel. Les Ming ou les Timo. Je vais mettre les Timo. Et les Timo, en plus, je vais leur mettre un embargo. Ils vont kiffer sa race. Là. Du coup, avec eux, on en est à 35. Et je peux gagner encore 58. 58, ça fait 80. Ça fait 90 et quelques. Il y aura un an qui va passer. C'est faisable. Ça me fera gagner un peu de prestige. Bah, au moins, ça me fera gagner un truc. Et je vais reprendre ici de améliorer les relations. Pour l'instant, je peux rien me permettre de plus, parce que ça sert à rien de lancer tous mes hommes pour rien faire. Donc ici, on regroupe. Tu vires ça, ça. Non, tu prends ça. Tu laisses les 980. Tu prends cette armée-là. Tu la fais embarquer. Et toi, tu vas te positionner ici. Remarque même en fait, on va faire ça. On va faire ça autrement. Tu vas prendre un explorateur, tu vas le prendre et tu vas passer par là. Ça c'est, ça va, ça c'est pas encore des flottes européennes dans le coin, donc on est plutôt bien. Tant qu'il n'y a pas des flottes européennes, on s'en sort bien. Parce que une fois qu'il y aura les flottes européennes, ça va être très moche. Ensuite, toi. Tu viens ici. Non, il. T'es sûr que c'est le bon chemin? Oh, punaise. 9000 hommes. Ok, balèze la colonie. Je peux pas en prendre celle-là pour l'instant. Et en plus, t'as buté tous mes hommes. Ok, ben je vais chercher des nouveaux copains alors. Je viens de perdre toute une armée. Ça reste certainement un petit écran noir pendant quelques secondes parce que j'ai fait un mauvais clic. Là, j'avoue que j'ai croisé une armée plutôt monstrueuse. Je vais me faire des nouveaux canons. Voilà, ces quelques nouveaux canons vont certainement m'aider. Et c'est tout. Quoique, je vais pas tout de suite faire un retour comme ça parce que ça servirait à rien. Je vais plutôt explorer. Voilà, ça sert à rien. Ok. Ah, Hassan, ils ont déjà été intégrés. Rapide. Hop, ça c'est fait. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Est-ce que j'aurais pas pu refiler Hassan à ces mecs-là? Et ils auraient été super contents. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie sur ça. Donc là, le but, ça va être de chercher des petites colonies. Parce que là, des trucs à 9000 hommes. Il faut quand même que je mobilise beaucoup des miens. Et je peux pas me permettre de mobiliser. Ouais, bah voilà, 500. Ça, c'est bien, 500. Reviens ici. Tu vas prendre 1000 hommes et tu viens ici. J'envoie le colon tout de suite. Ils sont combien ici? 500 aussi. Voilà, ces mecs-là, ils partent dans le navire. Et le navire, tu viens là. Comme ça, je peux lancer tout de suite une nouvelle colonie. La science, c'est laquelle? Militaire. Ping niveau 12 ou niveau 11? Non, niveau 11. Quand on sera niveau 12, on aura un sacré avantage parce qu'on sera le premier à avoir les armes à feu. L'occidentalisation, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la faire. Et je ne sais pas d'ailleurs si un jour je pourrais la faire.
Et toi, dès que t'as lâché, tu continues ton exploration. Allez, on avance doucement. Nous pourrions avoir une utile comme événement. D'ailleurs, c'est quoi comme île ici? C'est l'île Maurice. Hop, on avance. 9% de... Ouf, c'est beaucoup quand même, 9%. « 11%, venez vous faire réparer. Ce serait dommage de vous perdre bêtement. » Ok, ça c'est géré. On va relancer ça un peu plus sérieusement. Vous allez... Hop, c'est quoi ça? Piété, est-ce que j'en ai besoin, sincèrement, là? Missionnaire. Allez, là, on va juste perdre du prestige. Ils sont combien? Ils sont beaucoup. Alors, l'armée la plus équilibrée, il me semble que c'est celle-là. Sauf qu'on va regarder le chemin. 21, 17, 19. Et là-bas, il peut être combien la province? 22. Regroupez-vous tous à Dakar. On va mettre ça à fond. Putain, ça coûte cher. Comment ça se fait que ça coûte aussi cher? J'ai 11 à payer en renforcement. Ah ouais, je crois que mon armée, il doit manquer beaucoup d'hommes. Non, il manque 5 000 pourtant. Groupez, vous allez là-bas. Allez, foncez. Faut faire ça vite. Attendez ici. 19 000 hommes. Allez, on va attendre un mois ici. Donc ça va coûter très cher en hommes. Ils pourront être utiles. Oui, ça c'est bien. Et vous y allez. Et puis vous revenez aussitôt à Dakar. Oh là là, le carnage. Moins 2 quoi. Ok, trop de cavalerie, trop de cavalerie, j'ai pas fait gaffe. J'ai envoyé une armée au suicide à cause de trop de cavalerie. Faut que je fasse attention à ça. Ok. La prochaine fois, je ferai gaffe. Parce que trop de cavalerie, ça fait très mal. Ok. Alors, vous allez peut-être avoir un écran noir, mais il faut absolument que je fasse un réglage. C'est bon, c'était réglé. Donc, s'il y avait un écran noir, je suis désolé, mais j'aurais eu des soucis plus tard sinon. 97, on va reprendre l'exploration. Allez, go, ça t'avance. Ça monte bien, ça monte bien. Diplomate disponible. Eux, ça fait. Faut attendre longtemps, non. Delhi et E2, je vais devoir attendre super longtemps. Faut que je me trouve une nouvelle cible. Allié à Kazan. Kazan, ils sont trop loin. Ce serait les Mongols, je pense que je vais certainement m'en prendre aux Mongols. Parce que de ce côté-là, je suis bloqué. À moins que Pégu. À moins que je m'en prenne à Pégu, mais je pense que Pégu. Ils vont disparaître. Et je pense que eux, ils deviennent super balèzes. Le général est mort, dommage. Ouais, je vais certainement faire une guerre aux Mongols. Allez. Là d'ailleurs. Ah, une petite île ici. Ça c'est cool. Parce que j'ai une colonie qui n'est pas très loin de se terminer. C'est bien. Une nouvelle ici ou c'est autre chose? À mon avis, c'est un morceau d'île qui est collé quelque part, ça, mais c'est pas normal. Ok, 80, on continue l'exploration. Je me demande si j'ai moyen d'accéder rapidement à l'Australie. Voilà, c'est bien ce que je pensais, et ils ont totalement annexé ce mec-là. Alors, vous prenez position. Comme ça. Et comme ça. Va falloir qu'on se prépare à faire la guerre aux Mongols. On va descendre ici. Non, c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de. Encore. Ouf, vite. Revenez vite là-bas. Foncez même, j'ai que ça à vous dire. Je peux pas faire plus pour vous. 44, oui, ils devraient réussir à s'en sortir. Surtout que s'ils s'en sortent pas, j'y perdrai mon explorateur.
C'est bon. J'ai eu peur pour rien. C'est quoi ça? Négligence bénigne. On prend l'augmentation d'impôt temporaire. Là, je vais devoir m'organiser. Parce que on va attaquer les Mongols. C'est combien? C'est quand même pas mal de provinces. Et c'est quoi leur religion? Ils sont. C'est bon. Ils sont copains. Alors, ce que je vais faire temporairement, ça va me coûter cher en attrition. Ils arrivent quand? En mois de décembre, c'est bon. Je vais fusionner les deux armées temporairement pour pouvoir les séparer en deux de manière très correcte. Bing. Voilà, comme ça, elles sont équilibrées. C'est quelque chose qui coûte cher en main d'œuvre, enfin pas en main d'œuvre, en manpower, mais ça le fait très bien. Donc Delhi, on est passé. Transformer Maurice en ville. Pas de souci, hop. Tiens, en fait, comment je transforme Maurice en ville? C'est ça Maurice ou c'est là? J'ai accepté la quête à l'aveuglette. Notre colonie doit être agrandie. Ok, ça veut dire il faut finir. Donc on va attendre. Ça veut juste dire ça en fait. Et ben normalement j'ai le feu vert pour attaquer les Mongols. On va monter la maintenance. 32? Mais j'ai pas possible. Ah, 14 000 hommes, ok, il manque beaucoup d'hommes. Allez, on va attendre un petit peu là, il faut que ça renforce. Shan, ok, il faut que je vire Shan. Voir le prochain. Bon, on va prendre lui. C'est dommage, hein. On aurait peut-être pu être amis, mais on est hostile. Quoique, je vais peut-être m'arranger de les virer de mes rivaux. Pour voir. Allez, vous aussi, je vous divise par deux. Vous aussi, je vous divise par deux. Et on va lancer une attaque. Allez, on va piller 100 ducats temporairement. C'est pas grave, on s'en remettra. Ça va être chiant, mais on s'en remettra. Ah mince, ils se sont alliés avec qui? Ah mince, en plus, je suis en régence. Non. Ok, j'ai fait une connasserie. J'ai fait n'importe quoi. Mae qui est terminée. Donc il va falloir que j'aille chercher mes hommes à Mae pour aller sur une nouvelle colonie. Bah en fait non, parce que je vais envoyer comme ça. Ces 2000 là, je vais juste les déplacer ailleurs parce que ici ils me servent plus à rien. Je vais les rapprocher en venant ici, ils seront mieux. Sinon, j'ai pas vu, ce sont alliés avec qui? À Nogai. Ouais, on s'en fout de Nogai en fait. C'est pas quelque chose de très dangereux, Nogai, donc on s'en fout totalement même. Eux, ils sont dans la coalition de. Cible de la coalition de Ming, donc c'est pas bon pour eux, et ils ont deux alliés. Donc ça vaut le coup de faire une nouvelle revendication. Voilà, on va faire plein de revendications sur eux. Ok, c'est la flotte que je veux. Et on va reprendre l'exploration. Donc ici, ici, là, 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 là. Et là. Allez, go, vas-y. Franchement, j'aurais jamais cru faire ça avec l'Hindouistan. Devenir faire une petite puissance coloniale. Je dis bien une petite, hein, parce que je ne m'enflamme pas, hein. J'ai bien juste une petite puissance coloniale. Une, deux, trois, quatre colonies. Attends, un, deux, trois, quatre, cinq, six colonies. Enfin, bientôt six. Ça, est-ce que ce serait utile? Non, on s'en fout.
Pour l'instant, ce qui me compte plus, là, ce serait d'arriver à rattraper mon retard en technologie. Ah, j'ai pas vu celui-là, dommage. À mon avis, s'il n'y a plus rien, mais au moins, ce sera exploré. Oh là là, les dégâts que ça fait. Ok, tu vas tout de suite te réparer là. Ok, rappeler. Quinze. Je crois que je vais en perdre un. Pouf, j'ai pas perdu. Oh, c'était chaud. Donc, eux, je les ai mis à moins 94, ils sont toujours dans le truc. À votre tour. On va essayer de vous diminuer. De toute façon, on attend la régence. Tiens, nouvel truc. Alors maintenant que j'ai pris celle pour les colonies, laquelle je vais prendre? Est-ce que j'ai des problèmes d'inflation? Ouais, l'inflation monte souvent. Tiens, d'ailleurs, on va rembourser le prêt, c'est réglé. Est-ce que je prendrais pas l'économique? Ça montrait les impôts, les constructions, je sais pas, l'inflation ça va servir, intérêt je m'en fous, conseiller je m'en fous, l'entretien militaire ça peut être pas mal, la productivité je m'en fous. À laquelle je prends? En tout cas c'est sûr que je vais pas prendre une diplomatique parce que là il faut que je me fasse toutes les recherches diplomatiques à la chaîne. Est-ce que je me fais une militaire? Allez, je vais tenter l'économique. On va essayer d'améliorer l'économie de l'Empire. Est-ce que partout en fait, je suis bon? Oui. Toujours un problème d'effectif, mais je peux pas me le permettre de le faire. J'ai pas les moyens. Ah, j'ai que 600 quand même. C'est pas énorme. Pourtant, j'ai un super fort. J'ai une tradition militaire 37. Oh, vous abusez là, avec tout ce que je fais pour en gagner. Enfin, avec tout ce que j'ai fait pour en gagner. C'est comme ma quête déjà. Ok, il faut coloniser Maurice. Ensuite, on va essayer avec eux. J'avoue qu'améliorer les relations avec mes pires ennemis, ça a peu de chance d'aboutir. Ah, ils ont perdu des alliés. Déjà, ils sont pas dans la coalition. Franchement, je pense que je vais me tenter dans une guerre de coalition. Si je m'en prends à la coalition et que je réussis à sortir un ou deux pays de la coalition, ils vont déjà être beaucoup moins impressionnants. Et s'ils sont beaucoup moins impressionnants, moi ça va aller. Ok. Donc le navire, faut reprendre. Donc ici, ici. Ici. Ah, c'est pas mal, on a tout vu. Là, c'est des colonies, 7000 hommes. Bon, par contre, il faut que je ramène une armada pour que ça va, ça c'est petit, je peux le faire. Mais il y en a, il me nécessite que je ramène des sacrées armadas à conseiller. En militaire, discipline. Ouais. Il y a des colonies, il faudrait que je ramène beaucoup trop d'hommes. Non, parce que j'ai pas envie de gaspiller beaucoup trop de points. Comme pour l'instant, toute mon inflation, je dois le faire à la main. On va essayer d'économiser. Voilà. Ma technologie diplomatique est tellement faible. Je crois que je vais m'arrêter à la découverte de l'Australie et je me casse tout de suite. Allez, on se casse. C'est catastrophique. J'ai un trop gros retard en diplomatique. Il va falloir que je vienne m'installer là. On sait pas ce que c'est là. M'installer là. Je m'installerai là encore. Ouf, ils sont presque. Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer? 2%. 2% et 9%. Alors là, ils sont rentrés à la limite de la limite. Alors, on en est où par rapport à ça? Allez. Je passe le jeu en x5 jusqu'à la fin de la régence.
Et du coup, on reprendra dans l'épisode suivant, après la régence. Est-ce que eux, ça a amélioré? Ils sont en guerre ou quoi que ce soit là? Ils sont en guerre contre beaucoup de monde. Ok. Du sucre. Ming veut être notre nouveau rival. S'en fout. Ah, une science. Diplomatique. Qu'est-ce qu'on a? Idée moins 12%. Bonus voisin moins 35%. C'est pas mal les bonus que j'ai dessus. Alors c'est quoi ça? Gagner du mercantilisme et perdre de la légitimité sans problème. Je crois qu'en mercantilisme, ça doit être pas mal. Ah ouais, j'ai une augmentation de ma puissance commerciale qui est assez énorme. Gagner un en impôts. Tiens, et j'ai aussi Maurice qui va se terminer. Comme Maurice va se terminer. Non, la flotte. Faut aller les chercher. C'est bien ça, Maurice. Voilà, c'est celle-là. Ok, Maurice est terminé. En plus, on a réussi la quête du coup. Incorporer des lits, je pense que c'est un peu trop tôt. Par contre, on va améliorer les défenses de Tungu. Oh là, je sais pas ce que j'ai cliqué. Tungu, c'est par là, normalement. Hop. Ça fait un peu de tradition militaire, c'est pas de mal. On attend les navires. Ah, une rébellion, faut que je la voie. C'est normal que j'ai une armée petite. Non. Je vais envoyer cette armée, ça fait 10, ça fait 12 000. Je vais la renforcer avec la moitié de celle-là. Et vous? Ok, il faut que je change d'un rival. Hop. Ottoman. Non, on va mettre les Ming. Voilà. Je leur mets le... Non, je vais acheter un vrai général. J'avais dit un vrai général, c'est pas grave. Parce que le conquistador, je vais en avoir besoin. Quoique franchement. Allez, go là-bas. Et je vais mettre la maintenance à fond. Est-ce que j'ai toujours un trou de 4 000 hommes? Oui. Un deuxième. Ben l'armée enchaînera les deux sur le chemin. On en est où là? Ces troupes-là, je leur file le conquistador. Et vous, faut venir se placer. Je vais attendre un mois que la flotte est récupérée parce que là, la flotte est bien faible. Quoique, en fait, non. Plutôt se positionner ici. Attendez, revenez. Préférence, prenez l'armée avec vous. Et vous, vous repartez là-bas. Et à partir de là-bas, on va se retrouver une armée pas trop mal. Hop, on va virer lui. Dans le navire. Et on va se lancer, donc c'est ici. Pas mal ça. Le 100 en puissance administrative, c'était plutôt très bien. Et on prie pour que ce soit pas trop nombreux. Ils sont combien? 100. Ah oui, carrément. Du coup, ça, vous partez dans le navire. Et une fois qu'on vous a récupéré, on se barre. On rentre à la maison. Ok. Attention, je vais éternuer. Pardon. Donc première rébellion supprimée de la carte. Deuxième rébellion, on va partir de Cachère. De Cachère, Cachard. On va ici. Et ensuite je les replierai. Ok. Bon, c'est quand même des pertes gratuites pour pas grand chose. Ça y est. Voilà, la régence est terminée. Je refais tout de suite les... Ah, ouh. J'ai que ça, c'est nul. Bah du coup, comme la réponse est terminée, on se donne rendez-vous dans l'épisode suivant, parce qu'on a une guerre à faire. Allez, ciao à tous, bye bye!